considères-tu comme une gameuse? Absolument pas. Alors là, pas du tout. Non, pas vraiment, mais... Non, pas vraiment. Pas du tout. Non, pas du tout. Bon, alors, est-ce qu'au moins, tu as déjà joué à un jeu vidéo? Il y a très longtemps, quand j'avais 15 ans. Commodore 64. Oui, moi, oui. Quand j'étais jeune, et puis même un peu moins jeune, mais surtout quand j'étais jeune, j'ai joué à des jeux vidéo. Quand on avait l'Amiga, je me souviens qu'on faisait Crystal Hammer, et que ça, il fallait taper sur un cristal qui tombe, etc. Et c'est vrai que... Et alors aussi les Lemmings. Oui. J'ai déjà joué à des jeux vidéo, oui. Oui. Ah oui, alors si, oui, effectivement, oui, je suis une joueuse. Et depuis combien de temps tu joues à des jeux vidéo? Mais quand j'étais plus jeune, j'ai joué quelques fois sur des vieilles consoles, des ancêtres qui ont disparu aujourd'hui. Sinon, c'est quand mes enfants ont commencé à jouer, donc ça doit dater de 10-15 ans. Le tout début, c'est peut-être lorsque mon fils avait une dizaine d'années et qu'on s'est mis sur Final Fantasy 9. Est-ce que tu as un jeu préféré? Étant donné que je ne joue pas... Pas vraiment de jeu préféré. Pas vraiment de jeu préféré. Non. Rien à ce niveau. J'aime bien les jeux de cartes. La Wii. Alors la Wii, sur la Wii, les... Qu'est-ce que c'est? La, quand on dansait, là. Enfin, les... je ne sais pas comment ça s'appelle. Just Dance. C'est ça? Voilà. Bon, Just Dance. Mario Kart 8 sur la Switch. Alors, j'aimais vraiment bien un petit jeu qui se passait sur la Game Boy. C'était un petit jeu de plateforme et de plateau qui s'appelait Kid Icarus. Alors, mon jeu préféré, c'est Final Fantasy 9. Voilà. Il n'y a pas photo. Telle mère, tel fils. Les Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques d'hiver sur Commodore 64. Exactement. Voilà. Quel est ton pseudo dans les jeux vidéo? Ou si tu n'en as pas, qu'est-ce que tu prendrais comme pseudo? Je n'ai pas de pseudo. Et si je devais prendre un pseudo, ben, je choisirais tout simplement mes enfants, mes neveux et nièces m'appellent toujours Valoche. Ça les fait bien rire. Donc je pense que je prendrais Super Valoche ou Valoche est dans la place. Une bêtise. Moi, j'opte pour le deuxième, un peu long. Mais... Mon pseudo, c'est Artenis. Artenis, c'est mon prénom, les lettres mélangées. J'en ai pas, mais si j'en avais un, ce serait Caca, bien sûr. Tu sais que j'aime bien Hercule Poirot. Ouais. Je vois pas marquer Herculette Poirot. Ouais. Franchement, j'ai pas d'idée. Mais disons que comme j'aime bien la magie, ça pourrait être autour de la magie. Magicienne, pourquoi pas. J'en ai plusieurs. Yamutsuka, ça c'est les profils que mes enfants ont fait. Sinon, parfois, je suis aussi Benjolimi. Ça a toujours un lien avec les enfants. Mais si, j'ai un pseudo que j'utilise de temps en temps, c'est Yoshi. Riri. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans les jeux vidéo? Alors, ce que j'aime, c'est le challenge d'aller toujours plus loin dans son niveau. Alors, ce qui est bien aussi, c'est les différentes communautés. Quelquefois, c'est vachement chouette sur Discord ou des choses comme ça. Le contact en dehors du jeu. Bon, le fait que c'est divertissant, que ça valait pas mal de thèmes différents, l'air de rien, ça peut rassembler. Et puis voilà, ça peut être autant ludique qu'intéressant, on peut y apprendre des choses. Voilà, c'est chouette, quoi. Je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer un jeu vidéo, donc je ne sais pas dire si je l'aime ou si je ne l'aime pas, ne l'ayant pas fait. Je me marre bien. Je pense que c'est de jouer ensemble. Si on est tout seul, je ne vois pas l'intérêt. Bon, quand il y a un peu de réflexion. L'aspect concentration, canalisation, ça fait un peu vider l'esprit aussi. Et pour d'autres jeux, ben, c'est la collaboration. Il y a des jeux qui sont plus conviviaux. Donc, c'est un peu la compétition, l'ambiance. Mais du coup, dans les jeux vidéo, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Moi, tout ce qui est course, tout ce qui est gagner le premier, arriver le premier, je ne supporte pas. Mm-hmm. Je suis plus pour la coopération. Quand je suis toute seule, je n'ai aucun intérêt de rester trop longtemps devant mon écran, rester devant. Enfin, non, ça me saoule. Et ben voilà, d'être tout seul, je vois pas trop l'intérêt de jouer tout seul. Alors, j'aime pas les jeux vidéo où on se promène dans des décors et où je ne comprends absolument pas l'intérêt de ce qu'on y fait. Alors, ce que j'aime pas, c'est
les raids ou des choses comme ça parce que je suis pas assez rapide. Mais le fait que ça apporte une certaine dépendance, j'aime pas le fait que tu aies un décompteur par exemple. Ben, le fait que si on ne les gère pas correctement, ben, à ce moment-là, ça peut vite prendre une place dans la vie de quelqu'un, ça peut parfois amener à des comportements d'agressivité pour celui qui n'arrive pas à gérer sa frustration, mais ça, je pense que c'est un petit peu comme dans pas mal de choses, mais que ça peut exacerber ce genre de comportement. Ça isole peut-être parfois. Quel est mon jeu préféré? Oups. Eh bien, je ne sais pas du tout. C'est un jeu qui s'appelle XCOM 2. Aucune idée. On fait un effort, maman. Je ne sais même pas le nom des jeux. On m'a dit que je fasse un effort. Je ne peux pas faire d'effort. Hein? Et lui, de quoi? Ah oui, FIFA. Voilà. Ça, c'est vrai. Oui, bah, je pense tous les Final Fantasy. Ouais, bah, quand même, un en particulier. Ah, il y en a un autre. Oui, mais j'ai oublié le numéro. Tu rigoles ou quoi? En ligne, hein. Non, non, quel est mon jeu préféré? Bah, Final Fantasy 9. Oui, bah oui, voilà. Faut pas chercher loin. Hein. Non. Actuellement, je joue beaucoup, donc c'est d'abord Jurassic World. Et le deuxième jeu, qui s'appelle Total War Warhammer. Zelda. On peut accepter la réponse. On peut accepter la réponse, c'est bien trouvé. FIFA, je dirais. Ouais, je te l'accorde. Zelda. Effectivement, c'est bien Zelda. Quel est le premier jeu auquel j'ai joué? Pikachu. Pokémon, du coup. Pokémon, Pikachu. Ça doit être un jeu à l'ordinateur, Adibou, un truc comme ça. Je pense que c'est Adibou, mais ça pourrait être Lapin Malange. Minecraft, non? C'était pas Minecraft. Minecraft, c'est sur PC. Le Tarzan? Le Tarzan, sur PlayStation 1. Il faudrait demander ça à tes frères. En fait. Oui, ils ont une meilleure mémoire. À mon avis, c'est en voyant tes frères que tu as voulu jouer, et donc c'est plutôt leur jeu à eux. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, j'ai donc joué. Je me souviens, je t'ai dit, j'ai joué à Lapin Malin. Ah, j'aurais dit FIFA, mais je suis pas sûre. Non. Un indice, c'était sur Game Boy. Ah, Mario alors. C'était Super Mario Land. Ouais. J'ai dû aller chercher un petit peu dans mes souvenirs. Mario? Non, c'est pas Mario. Adibou. Adibou ou. C'est ça. Pour avoir vécu des choses comme ça, peut-être. Effectivement, c'était sur PC, mais c'était pas Adibou. Il y avait un jeu avant Adibou. Ah, Oli. C'est ça. c'était Elliot, je pense. Ah, voilà, Elliot. Je me rappelle plus. Alors, j'avais 6 ans, c'était pour mon anniversaire, ou pour Noël, je sais plus. Je crois que c'était mon anniversaire. Vous m'aviez offert les premières Game Boy, là, les grosses Game Boy grises. Ah, oui. Avec deux jeux. Est-ce que tu te souviens de ces deux jeux? Non, je ne me souviens pas. Je me souviens de celui que tu n'as jamais eu. Mais... Il y avait... Ah oui. Mario. Il y avait Tetris, oui, et les Schtroumpfs. Est-ce que je suis plus PC ou console? Console. Ouais. Peut-être plus... ça dépend du jeu. J'ai plus joué à la console qu'au PC. Ordinateur ou console? Non, mais j'ai compris. Ordinateur, PC. D'accord. Actuellement, je ne sais pas, mais je pense que tu étais plus console. À l'époque, j'étais plus console. Aujourd'hui, je suis plus spécial. Moi, je dirais que tu es les deux, parce que tu as quand même... Tu as les deux, vu que tu as une Nintendo Switch. Ah, j'ai la Switch, la PlayStation. Mais voilà, donc je pense que tu es vraiment des deux. On peut dire que je suis des deux, mais je suis quand même plus PC que console. PC. Maintenant, oui, effectivement. Avant, quand j'habitais encore ici, c'était plus console. Écoute, je crois qu'on a... pas eu de console ici, c'était sur PC, il me semble. Ouais. Moi, quand tu étais ici, c'était sur PC. Oui. Je n'ai aucune idée. Je pense pendant un temps, tu as dû jouer plus sur console, mais maintenant, peut-être que tu joues plus maintenant sur PC. Sûrement peut-être avec Crossover. Effectivement, c'est vrai. C'est bien vu, bien vu. Quel est mon pseudo? Ouf. Je l'ai déjà entendu et si je me souviens bien, c'est un rapport avec Star Wars. C'est vrai. Mais je ne sais plus. Alors, mon pseudo actuel, c'est Darkwall. Lily quelque chose? Non, je sais pas. Bon, avant, oui, je mettais parfois Lily la folle. Mais maintenant, c'est Feridi. Ah. Mon nom, c'est Darren. Comment? Ah oui. Darren. Moi, ça fait penser, Darren. Vas-y, dis. Le nom d'un coiffeur. Ah. Je vais chez Darren. Pour monter prochaine.
sais pas. Je... Oui, je sais, mais je le retiens jamais parce que. Fieriel. Bah mince, je sais pas du tout. Mais peut-être que si tu me le dis, ça me parlera, et je ne sais pas. Ties. Non. Oh, je sais qu'il y a un truc de. Il y a un king dedans. Ouais. Mais. Ah. Oh. Mais roi de quoi? Je ne sais plus. The A-King, le roi du foin. Je ne sais pas. Pseudo, c'est Arcontas. Comment? Tu as aussi un autre fils qui est dans le projet. Quel est le pseudo de ton autre fils? Oh, je ne sais plus. Non. C'est Guerin Tokush. Raconte une anecdote sur mon enfance et les jeux vidéo. Peut-être d'en avoir quelques-unes à mon avis. Mais juste une qui est mémorable. Mmh. Mais j'en ai marre de ce PC de naze. Je crois que tu devais être en train de jouer et que ça, ça laguait, je suppose. Voilà. Ouais. Et tu n'en pouvais plus. Et tu as, parce que tu étais quelqu'un de, un enfant très doux, très calme, etc. Mais là, tu as pété les plombs. J'en ai marre de ce PC de naze. Et bon, voilà, on est éclaté. Alors, une anecdote. Bah si, alors si, les trucs là avec la Pokémon Amazamé, là, vous battiez, vous jouiez avec les cousins, tout ça, vous êtes disputé avec Maxime qui perdait, donc forcément ça n'allait pas, c'est bien de jouer ensemble, hein. Pas vraiment une anecdote, j'ai des images de toi et Joe devant l'ordinateur avec les trois petits chats qui chantent et ce chant... que vous chantiez tout le temps, en fait, toute la journée. Donc c'est plus ça comme anecdote, sinon. Oh oui, j'en ai plein. La meilleure, je pense, c'est celle où vous étiez punis tous les deux de Game Boy, notamment, et que les Game Boy se trouvaient dans le coffre de la voiture. Et petit filou, comme vous étiez tous les deux avec ton frère, eh bien, quand vous preniez votre cartable dans le coffre de la voiture, très bien, vous mettiez le Game Boy dans le coffre, comme dans ça le la cartable. Nuit, dans le cartable, oui. Comme ça, la nuit, ben, vous jouiez avec au soir. Et le matin, ben, ni vu ni connu, on remettait le Game Boy à sa place, jusqu'au moment où vous êtes fait pincer par papa. Ouais, je me souviens parfaitement de ce moment. Oh, on s'est senti des vrais génies quand le plan a fonctionné. On était vraiment waouh. Peut-être quand un de tes copains t'a dit je peux pas jouer parce que mon papa m'a dit que j'allais avoir les yeux rouges. Je trouve que c'était tellement marrant. Je sais pas si tu t'en souviens, tu lui as répondu ton père est un menteur. Oui, c'est ça. C'était un garçon plus jeune que moi et son père lui avait interdit de jouer à Pokémon alors que moi j'avais Pokémon hein, sur ma Game Boy. Et donc je voulais jouer avec lui, il m'a dit ah ben non je peux pas jouer à Pokémon parce que mon père m'a dit que ça rendait les yeux rouges. Et je lui ai dit, bah, ton père est un menteur. Allez, quand t'as ramené tout content la Game Boy 3 Color là, de ton copain qui te l'a donné, comme ça, l'air de rien, quoi, c'était cool quand même. J'avais rien demandé et tu te tapes une Game Boy Color gratos. Ouais, c'est ça, il y a un de mes potes qui avait donné une Game Boy, c'est vrai, c'est vrai. Alors, une anecdote, c'est que comme on avait confiance dans le fait que vous respectiez le fait de gérer les jeux vidéo à la semaine, donc il y avait un deal, c'est qu'il y avait un temps à la semaine pour jouer aux jeux vidéo, comme on avait grande confiance en vous, on enfermait les manettes dans un coffre-fort. Qu'est-ce qu'un stream ? Alors un stream, c'est quand quelqu'un est en train de jouer et que d'autres le regardent en train de jouer. Non. C'est un jeu qui est organisé géo vidéo en direct et les gens regardent les autres jouer. Le streaming, c'est le fait de pouvoir... regarder des films sur internet en les téléchargeant. Et du point de vue des jeux vidéo, du coup. Ouf, c'est pas le... quand on s'enregistre pendant qu'on joue, pour pouvoir partager les vidéos. Je pense que c'est une... Enfin, je suis certaine, je ne dirai pas les bons mots, mais une plateforme sur internet qui diffuse les jeux vidéo. Est-ce que c'est un film? Comment expliquer? En fait, c'est une... Un
Extreme. Enfin, je vais peut-être tout à fait me tromper, mais c'est une vidéo. On filme quand on joue. Est-ce que c'est ça, un stream? Est-ce que tu saurais me dire rapidement ce que c'est que Crossover? Le site de mon fils, qu'il a avec des copains, qui parlent de jeux vidéo, qui font des week-ends particuliers de temps en temps, et des collectes de challenges à Noël. Les Crossover, c'est le groupe qui a été créé par l'Armée du Salut pour faire des streams au profit de l'Armée du Salut. Ouf, tu m'en parles tellement, mais je ne sais pas vraiment... ce sont des jeux auxquels vous jouez et qui vous permettent de rapporter de l'argent pour une association. Alors, Crossover, c'est un groupe qui a voulu se mettre ensemble, des jeunes, des gamers, qui ont voulu se mettre ensemble pour jouer ensemble, proposer des trucs, des événements aussi, des streams. Mais des fois, il y a aussi la télé, donc voilà. Après, voilà, je suis pas très claire, mais... Ben, Crossover, c'est le fait que plusieurs joueurs se rassemblent pour jouer ensemble. Voilà, j'ai bien qu'un cross, c'est pas traverser... Crossover, c'est croiser à travers. Enfin, cross. Oui, au niveau anglais, ça veut dire. C'est ça. Mais bon, au niveau jeu. Alors, c'est un groupe de jeunes franco-belges qui se sont réunis pour organiser des jeux entre eux et pour les autres. Qu'est-ce que le Redfield Event? C'est l'événement que vous avez créé au profit de l'Armée du Salut, justement, en passant par le jeu vidéo. Alors, le Redfield Events, c'est donc organisé aussi par nos amis franco-belges pour soutenir l'effort des marmites de l'Armée du Salut, belge et française. Et donc, pendant du vendredi soir au dimanche soir, donc sans arrêt, non-stop, chacun se relaye pour jouer et ceux qui regardent peuvent donner des dons et même des dons de 1 euro et ça, plus ça va, plus il y a de monde qui regarde et moi je dis bravo, continuez. Ouf, ça aussi du monde a déjà parlé, mais c'est un moment où vous jouez pendant tout un week-end et c'est vraiment un moment clé dans l'année et c'est vraiment assez médiatisé pour que justement ça vous rapporte un petit peu plus, quoi. Non. Alors ça, je crois que c'est lié à Crossover et que c'est 24 heures de stream. C'est même plus que ça. C'est même plus. Et bien, le Redfield Event, là par contre, c'est un week-end de gamers organisé par Crossover pour récolter de l'argent pour l'Armée du Salut, pour le temps de Noël. Alors, est-ce que tu as déjà regardé un live ou une vidéo Crossover? Oui, oui. Ben, il y avait, quand vous jouiez à GeoGuessr, je vais dire Geocaching, il y avait quand Lydie aussi participait à un truc sur le Redfield, je ne saurais plus dire quoi. J'essayais de m'intéresser, mais j'étais paumée. Il me semble que j'ai vu passer sur Facebook un truc comme ça. C'est possible que vous ayez publié sur Facebook? Non, malheureusement non. Mais je vous soutiens. Non. En entier, non. En vitesse, oui. Derrière mon fils, oui. Non, pas vraiment, parce qu'en fin de compte, je ne comprends pas trop quand on parle. Il y a des termes que je suis larguée. Alors, des tout petits morceaux. Ça apparaît parfois sur la télévision. Ce qui prouve qu'il y en a qui regardent. Alors, le premier événement... On a regardé des trucs, mais
voilà, c'était le... Pendant comment le vous appelez ça, la Rocket... Rocket League. Voilà, pendant le premier Redfield Event, c'était regardé. Voilà, okay, d'accord. C'est ça. Okay. Plus, on a eu plusieurs moments avec, avec papa où on regardait un petit peu ce que vous faisiez, mais alors moi, ça ne me parlait pas du tout. Est-ce que tu pourrais citer trois jeux streamés sur Crossover? Non, franchement, non. Je ne sais pas, Minecraft peut-être. Oui, il y a des Minecraft. Non, Zelda peut-être. Aussi, oui. Qu'est-ce que je connais encore comme... Non, je ne sais pas, je vois pas, troisième, je donne ma langue gauche. Mais donc, mais je ne sais même plus le titre, donc ton jeu Jurassic Park. C'est ça, voilà, tout à fait. Bah, déjà, moi, je stream celui-là, et il y en a d'autres. Mais est-ce que tu connais par hasard des noms de jeux vidéo récents? Warhammer. Voilà, bah oui, tu en fait, plus, tu veux dire. Ah bah, je peux pas. Bah, t'en as déjà dit, déjà. J'ai déjà dit. Alors, bah, le Just Dance, Wooling, FIFA. Ah, oui, d'accord, ça fait un. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que vous jouez là, c'est, attends, c'est... Oui, les trucs de... Faut se tirer dessus, hein. Ah bah, je sais pas. Ok, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est parce que je vois très bien quand t'es dessus et que... c'est bien, mais ça, c'est... Mais je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai su, mais j'ai oublié. Là, tu les auras pas. C'est pas grave. Donc, celui que j'ai regardé, c'est la Dibou. Après, ben, pendant le Redfield Event, en effet, il y avait ce Rocket League. Vous avez sûrement dû faire quelque chose avec Zelda. Donc, GeoGuessr. Le truc avec les petits personnages là, je n'arrivais pas à comprendre le but. C'est bien. Je saurais plus dire le jeu. Mais je sais bien que c'était un truc que je comprenais pas spécialement le but. Et puis il y en avait pas aussi un jeu avec du dessin. Si. Ouais, ouais, si, ouais. Si. Ouais, voilà. C'est Scribolio. Oui, voilà, Vertigo. Exactement. Okay. Dernière question pour terminer, qu'est-ce que tu penses du projet Crossover? Bah, je trouve que c'est sympa parce que vous êtes un petit groupe à pouvoir vous retrouver. Alors après, est-ce que vous vous retrouvez des fois un peu trop? Ça c'est possible, je ne sais pas. Il faudrait voir du côté des copines et des femmes et voilà. Parce que je pense qu'il faut peut-être rester sage quelquefois. Voilà, mais ça c'est un conseil de maman. Savoir aller se coucher le soir et puis ne pas passer toutes ses soirées en gaming avec les autres et laisser sa famille. Voilà. Très bien. Je sais plus ce que c'était la question. Qu'est-ce que tu penses de Crossover? J'en sais rien en fin de compte parce que j'y vais pas relativement assez souvent pour me rendre compte. Mais je pense que tout projet, s'il est mené à bien pour avoir un contact avec les gens, parler de ce qu'on aime, quel que soit ce qu'on aime, ça peut être très positif. Pour ceux qui viennent, pour la communauté qui se crée et puis pour le partage. Ben, je suis très admirative parce que c'est quelque chose qui est très tendance aujourd'hui. Donc c'est un moyen de toucher, je pense, toute une population qui n'aurait peut-être pas du tout été touchée par le fait d'aider l'armée du salut. Donc je pense que c'est audacieux comme projet et un chouette projet. Rien que le fait que ça puisse rapporter à une association, moi je trouve que c'est vraiment génial. Pourquoi pas, parce que ça fait de plus en plus le fait que les gens versent via les réseaux internet, les réseaux sociaux comme ça. C'est une nouvelle manière de faire que les gens versent des sous, quoi. Je trouve que c'est bien que l'armée de feuillus doit être à la page, et je pense que ça c'est à la page, même si moi j'y comprends rien, et si on veut toucher du monde différemment, il faut utiliser ces réseaux-là. Je trouve que c'est un très chouette projet, qui est un projet moderne, donc qui parle aux jeunes comme aux moins jeunes, puisque j'y ai participé. Et puis je pense qu'à un moment donné, ben, il faut utiliser des outils qui vont plaire aux gens, qui vont rassembler, et à un moment donné, ben, si on veut se faire connaître,
autrement que par les gens qui ont l'habitude de nous connaître, et surtout un public de jeunes. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Quand on voit que ben, par ce biais-là, il y a des collègues à papa qui, ça fait la deuxième année, qui jouent, qui participent au Redfield, et ben, c'est une chouette façon de ramener des fonds et de se faire connaître. Here we go again!